J'y arriverai. Je sais ce que tu souhaites le plus pour ta famille. C'est le bonheur. Je le ferai pour toi. Pour t'honorer. Comme tu as toujours fait pour nous. Tu sais, tu n'étais définitivement pas parfait. Mais nous n'aurons jamais pu demander un meilleur père. Tu nous as donné tout ce qu'un enfant peut demander. Et encore plus. Ce qui nous a permis de devenir ce que nous sommes aujourd'hui. Et nous en sommes si fiers. Je sais, tout le monde croit avoir le meilleur père. Mais certainement, vous vous trompez. Notre père était le meilleur. Oui, je dis, notre père était le meilleur. Quand la maladie et la mort t'arrachent à nous, quand ils t'emportent dans le dernier souffle, nous nous souviendrons toujours de la tendresse de l'amour que tu as disséminé autour de toi par tes mots, tes gestes, tes attentions toutes particulières. Guy de Maupassant disait, je cite, « On aime son père presque sans le savoir et on ne s'en aperçoit de toute la profondeur des racines de cet amour qu'au moment de la séparation dernière. » Fin de citation. Le flot de souvenirs du temps passé aux côtés de celui que nous appelions alors affectueusement Béblo est d'une richesse immense. Des images par milliers. Je ne pourrais écrire sur une si petite feuille de papier. Il faudrait rédiger un livre en plusieurs tomes pour retracer la vie, les épreuves, l'œuvre, l'itinéraire, la trajectoire et même la philosophie de notre père. Un exercice qui, du reste, va s'avérer fastidieux pour l'heure. Aussi me permettrez-vous, mesdames, messieurs, de procéder succinctement une biographie expresse de notre père, M. Belsaviel Remy, dont l'état civil indique qu'il est né le 21 juin 1928, ici même en Toulon, de Belbiot Pierre et de Ngandor Sophie, tous deux de regretter mémoire. De son vivant, papa nous parlait souvent de son enfance, de sa jeunesse ici au village, de son quotidien partagé entre les travaux champêtres et les jeux d'enfants, les études aux côtés de ses parents et de son cadet, l'unique d'ailleurs, s'appelle David, rappelé à l'Éternel il y a juste 3 ans. Tu nous relatais souvent, papa.